C'est dans ce centre spécialisé sur l'aquaculture de l'Institut national de recherche sur les pêcheries des eaux douces du Nigeria que de nombreuses recherches sur le tilapia et le poisson-chat sont menées. Ce monument géant, sous forme de poisson, qui trône au milieu du centre et qui retient l'attention des visiteurs, renseigne sur la vocation principale de l'établissement. Derrière les murs des bâtiments de l'Institut, plusieurs dizaines de bassins destinés à l'élevage de poissons ont été construits. L'une des spécialités du centre, c'est l'élevage du tilapia, une espèce de poisson que l'on retrouve le plus souvent dans les eaux africaines. We know that tilapia is a tropical fish. Tilapia is an African fish. Nous savons que le tilapia est un poisson tropical. Le tilapia est un poisson d'Afrique parce que le climat est propice à sa production. Mais nous connaissons un défi dans la production de ce poisson. En fait, par exemple, c'est une espèce très prolifique, en ce sens qu'elle se reproduit en si grand nombre que certains individus deviennent rabougris. C'est donc un défi. Et nous nous sommes rendus compte que le tilapia mâle croît beaucoup plus vite que la femelle. Et puisque c'est un poisson d'Afrique, il est facile à produire, parce que même l'alimentation pose beaucoup moins de difficultés par rapport au poisson-chat. Nous avons donc décidé de mener des recherches axées sur trois domaines. La production de tilapia mâle uniquement en pratiquant un traitement hormonal, le sexage manuel et en utilisant le super mâle YY. And YY super mâle. Les chercheurs de l'Institut national de recherche sur les pêcheries des eaux douces du Nigeria conduisent plusieurs types de recherches sur le tilapia. La technologie utilisée par les scientifiques nigérians consiste au traitement hormonal de ce poisson. La méthode consiste à utiliser des hormones pour produire des tilapia mâles afin de répondre aux objectifs de production tels que fixés par les protocoles de la recherche et de répondre aux préoccupations des pisciculteurs. Dès qu'ils ont commencé à utiliser cette technologie, les chercheurs ont été très vite confrontés à un grand défi auquel il fallait apporter des solutions. You can see we have our male and female here. But because of the agitation of bringing them out, the female. Comme vous pouvez le voir, voici les mâles et les femelles. Mais en raison de l'agitation, les femelles finissent par relâcher tous les embryons qui retombent en dessous du filet. Les embryons sont déjà ici, donc c'est très facile de les récupérer. Il suffit de racler avec ce dispositif pour recueillir les quantités nécessaires pour le traitement hormonal. On les envoie ensuite au labo et on commence l'expérience dans les étangs que vous verrez une fois à l'intérieur. Puis nous les traitons avec de l'alpha-méthyltestérone 17, en commençant par les microdoses de quantité d'aliments. Nous utilisons 0,3 g d'artébia ou de copain, parce que c'est ce qu'ils peuvent manger à l'âge où nous commençons à les nourrir, et ce, pendant une période allant de 28 jours à 1 mois. Après les avoir fait sortir, nous nous sommes rendus compte que l'expérience a été un succès. And we discovered that during the experiment that it was successful. This equipment you are seeing here is an improvisation we made. Cet équipement que vous voyez ici est une improvisation que nous avons faite. Un des plus grands défis que nous connaissons ici est de savoir comment faire éclore les œufs de tilapia, car à la différence des œufs de poisson-chat, les œufs de tilapia doivent être constamment en mouvement. Nous avons donc essayé d'improviser en construisant cet équipement. Alors, comment ça marche donc? L'eau sort de ce réservoir par un tuyau, puis passe par la lumière UV pour remonter ici. Partant d'ici, l'eau sera maintenant évacuée là-bas. C'est là où se trouvent les œufs. L'eau va continuer à circuler. Ainsi, la pression de l'eau d'ici permet de garder les œufs constamment en mouvement, de sorte que les œufs ne se reposent pas, parce qu'une fois que les œufs de tilapia sont au repos, ils n'éclosent pas. Motion, so that the egg does not rest. If it rests in a, if the tilapia egg rests in a place, it will not hatch. Les recherches menées par le Centre nigérien de l'aquaculture ont pour objectif de produire un poisson hybride, capable de s'adapter à l'environnement local. Selon les chercheurs, ce type de poisson pourrait avoir une meilleure performance par rapport aux autres espèces originelles. Le but final de cette recherche est de mettre au point un géniteur standard capable de satisfaire aux attentes des pisciculteurs, qui cherchent, comme tout opérateur économique, à rentabiliser leur ferme.
His research focus here is for us to hybridize Clearas angularis from three ecological zones. L'objectif de la recherche est d'hybrider le Clearas angularis provenant de trois zones écologiques. C'est ce que nous avons fait pour produire les alevins que vous voyez. L'objectif de cette recherche est d'obtenir un stock de géniteurs locaux. Donc, par rapport au Clearas gerrhipinus que nous utilisons maintenant, ils s'adaptent à l'environnement. La recherche a montré que leur taux de survie est plus élevé parce qu'ils sont des poissons locaux et donc ils peuvent s'adapter à l'environnement. À mesure que la recherche se poursuit, nous allons produire ce que nous appelons la génération de poissons F2 et nous espérons qu'il y aura un rendement supérieur à la génération F1. Et dans cette étude, nous avons découvert que le croisement entre le Clearas angularis que nous avons recueilli de Onisha, qui est une zone forestière tropicale, et celle que nous avons obtenue à Maïdougouri, qui est une zone sahélienne, donne de meilleurs résultats. Mais en général, toutes les combinaisons de couples survivent très bien. Nous avons espoir qu'à mesure que nous continuons, nous mettrons au point un géniteur standard pour les pisciculteurs. Les nations survivent très bien. Et nous avons l'espoir que, as we continue, we'll be able to get a standard broodstock for the farmers. Les résultats obtenus par les chercheurs nigériens sont spectaculaires. Dans le cas du poisson-chat, autre sujet de recherche de l'Institut nigérien de l'aquaculture, les scientifiques sont parvenus à relever un défi de taille. Pendant la saison sèche, par exemple, les poissons-chats se reproduisaient très peu. Mais grâce aux travaux des scientifiques, ce problème qui constituait un grand manque à gagner pour les pisciculteurs a été résolu grâce à l'utilisation d'aliments enrichis à la vitamine C et E, et avec lesquels les poissons sont nourris. Usually during dry season, the females reabsorb their eggs, while the males reabsorb their milk, which prevents them from reproducing during the dry season period. Habituellement, pendant la saison sèche, les femelles résorbent leurs œufs et les mâles résorbent leur laitance, ce qui les empêche de se reproduire pendant ces saisons sèches. Nous utilisons donc cet aliment pour nourrir nos géniteurs, de sorte que nous soyons en mesure de produire des alevins tout au long de l'année. Cette expérience a débuté en octobre et depuis lors, nous avons produit des alevins de ce couvoir. Nous avons donc été en mesure de briser la période de stagnation de la production d'alevins grâce à cette expérience pour l'instant. Nous avons donc été en mesure de produire jusqu'à 220 000 alevins. To produce up to 220 000 fingerlings. En réussissant à produire autant d'alevins, les scientifiques de l'Institut nigérien de l'aquaculture ont créé un vaste marché pour les pisciculteurs et autres personnes qui veulent se lancer dans la pisciculture. Beaucoup parmi ces fermiers viennent s'approvisionner en alevins au niveau du centre. De nombreux jeunes qui s'intéressent également à l'aquaculture ont aussi investi ce créneau et créer des fermes aquacoles. So far, we have produced fingerlings which we have sold to farmers. All the fingerlings we have sold, even we have produced, even these ones are bought already. Jusqu'à présent, nous avons produit des alevins que nous avons vendus aux agriculteurs. Tous les alevins que nous avons produits, même ceux-ci, sont vendus. En fait, les jeunes sans emploi ont été formés à cette école et ces alevins leur seront distribués afin qu'ils aillent les utiliser dans leurs diverses fermes quand ils auront fini leur formation. En dehors de ces stagiaires, nous avons vendu à de nombreux pisciculteurs et au village Arok. We have sold fish to the Arok villages. Les résultats obtenus par les chercheurs constituent une grande opportunité en matière de création d'emplois et de richesses. Au Nigeria et dans les autres pays d'Afrique de l'Ouest, le tilapia est très apprécié des consommateurs. Quant au poisson-chat, il est l'une des espèces les plus prisées par les Nigérians. Aujourd'hui, il existe une grande activité économique autour de ce poisson, notamment avec l'amélioration de la technologie du fumage du poisson-chat. Pour ceux qui s'activent dans ce domaine, les opportunités d'affaires sont très grandes. I think I've been to fish farming since year 2006. And in fact, I would advise anybody. Je suis dans la pisciculture depuis 2006.
Donc je conseillerais à tout le monde, même aux fonctionnaires, de se lancer dans l'élevage de poissons, car cela ne vous empêche pas de mener d'autres activités. C'est un créneau très porteur, mais il nécessite beaucoup de surveillance. En fait, la dimension de notre bassin est d'environ 10 mètres sur 11. Et nous avons l'habitude de stocker environ 2000 unités dans chacun de nos bassins. Et nous sommes sûrs d'obtenir 2000 kg par bassin. Le moins productif d'entre ces bassins nous donnera environ 1800 kg, sauf si nous n'avons pas réussi à y mettre 2000 unités. Nos poissons font normalement 1 kg chacun. Nous faisons donc 2000 kg par étang et nous vendons 1 kg à 500 naira. Donc si vous multipliez 500 par 2000, cela vous donne 1 million de naira. Et comme vous pouvez voir la taille de bassin, ils ne sont pas très grands, mais nous avons de l'eau courante qui coule toujours à travers les bassins. Quand j'ai commencé, je n'avais rien parce que je venais de finir mes études. J'ai commencé à partir d'un site temporaire avant de pouvoir obtenir le site permanent où nous sommes en ce moment. Faisons un tour pour que je vous montre certaines de nos installations. Grâce à cette activité, j'ai pu construire une maison, me marier et actuellement j'ai un fils. Nous employons 6 personnes en permanence. Nous avons aussi des étudiants en informatique qui viennent d'autres universités et de l'Institut de pisciculture. Même là, beaucoup d'entre eux sont venus ici. Alors je conseille aux jeunes de se lancer dans l'activité. Il ne faut pas avoir peur parce que c'est une activité très rentable. Vous avez juste besoin de capitaux et dès que vous l'obtenez, vous êtes sûr que vous allez réaliser du profit. Lorsque nous recevons des jeunes ici, nous leur disons de ne plus rêver d'être employés dans des bureaux. Nous leur montrons les opportunités qui s'offrent à eux ici. Et nous avons de bons résultats car actuellement dans notre école de formation piscicole, nous n'enseignons même plus la reproduction en première année. Car dès qu'ils savent le faire, les jeunes ne restent même plus pour terminer leur formation et ils vont tout de suite s'installer à leur propre compte. Et le danger est que dans ce cas, ils peuvent ne pas améliorer leurs compétences tout seuls. En fait, et ce n'est pas seulement la reproduction que nous enseignons, parce que pour réussir dans toute entreprise, vous devez avoir des bases et vous pouvez vous améliorer par la suite. Donc, nous tendons la main aux jeunes et bien plus encore. En fait, dans les fermes que vous avez visitées, nombre d'entre eux sont très jeunes, certains d'entre eux ont un niveau d'enseignement secondaire, quelques-uns sont diplômés. Ils ne cherchent même pas à postuler pour un emploi, ils veulent vivre leur propre vie et je pense qu'on peut s'en féliciter. Donc nous tendons la main aux jeunes et tout ce que nous avons à faire, c'est de continuer à les sensibiliser. Et je souhaite que vivement, le PPAO lance un programme de sensibilisation du public, en particulier les jeunes, sur l'existence de ces opportunités de sorte à combattre l'oisiveté ambiante, non seulement au Nigeria, mais aussi partout dans la sous-région. Grâce au soutien de la BID, la Banque islamique de développement, le PPAO, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, a joué un rôle déterminant dans la diffusion de ces technologies au Nigeria. L'objectif visé par l'institution islamique qui a apporté son soutien au CNS, Centre national de spécialisation de 9 pays d'Afrique de l'Ouest, est de promouvoir l'utilisation de technologies de la recherche en faveur de la création d'emplois pour les jeunes. Le moins que l'on puisse dire est qu'au Nigeria, l'aquaculture est en plein boom et le succès des fermiers est au rendez-vous. Ce qui fait la satisfaction des chercheurs qui ont développé ces technologies. Pour ces derniers, l'intervention du PPAO du Corafricap a permis d'engranger ses succès.